Salut les amis. Bon, c'est dimanche. Ce week-end, ils ont annoncé des bonnes températures. Enfin bon, il y a un semi-nuageux quand même, mais il fait bien au moins. Là déjà, il fait 14 degrés. Je vais en direction de la mer. Et ils annoncent 17 cet après-midi. Finalement, j'ai pas fait la vidéo encore sur mon Yamaha. Parce que je suis sorti entre temps avec Mourad, donc la chaîne de CJet, et Edouard, et j'avais fait des vidéos, mais la GoPro, je sais pas, il y avait une mauvaise qualité, il y avait une fine pellicule d'eau dessus, j'ai pas fait attention, et donc j'ai pas pu faire la dernière vidéo comme CJet a pu le faire. Je sais pas si vous le voyez, j'ai pris le Sidou, donc ouais, je ressors encore avec le Sidou là. Normalement, je suis sur la fin du rodage, je suis à 11h. Suite à ça, du coup, à cette sortie-là, je vais l'amener en révision chez JV Racing, là où il a été acheté, à Montpellier. Et de là, normalement, mon jet ski, vous le verrez plus parce que c'est pas vraiment le mien. Hein. C'est celui de mon cousin, hein. Dédicace à toi, Kevin. Donc après, le jet ski, je le verrai plus. On le verra quand je descendrai en vacances sur Fréjus, cet été, probablement. À part ça, bah, écoutez, on se retrouve à la mise à l'eau. Je serai en compagnie d'Edouard, qui va faire un tour avec sa machine, peut-être la dernière fois, je sais pas, parce qu'il compte la vendre. Donc si tu vois cette vidéo, Edouard, j'espère que tu arriveras à vendre ta machine rapidement pour t'acheter une nouvelle machine. Je vous dis à tout à l'heure. Les amis, je suis avec Edouard, il est arrivé. Bon, du coup, prêt à partir en mer. Bon. Elle va être à vendre. Je vous fais une petite cinématique. Bon, on va l'essayer, ça a vraiment rien à voir. Putain, rien que là déjà l'accélérateur ça part direct. Attendez, je vais essayer de vous filmer ça autrement.
Je l'ai même pas mis en mode sport, non. Ah ouais? Ah, les bras, sa mère, ça n'a rien à voir. Oh l'enculé. Non mais tu peux pas naviguer en mode sport tout le temps trop longtemps. Ça défonce. Mais par contre là, ce que j'aime bien, c'est que je suis essoufflé et tout. Je retrouve les sensations pas de la motocross, mais ça tire sur les bras, tu vois. Je ressens les mêmes sensations que la motocross où tu fatigues au bout des bras après et tout. Ouh. Oui, c'est le bon compromis, je pense. Voilà. Ça glisse tout seul. J'ai dit ça glisse tout seul, c'est abusé. Ouais, ah ouais, il glisse mais de ouf. T'arrives à faire le. Enfin, t'arrives, tu t'as dit que tu fais 360 et tu repars comme si de rien n'était. T'as jamais essayé? Non. J'ai pu essayer sa machine à Edouard, hein. Petit GTX 300 limited, hein. Franchement ça fait les bras, hein. Pour quelqu'un qui n'est pas forcément habitué, c'est vraiment top. Venir, vous pouvez aussi retrouver un essai je crois sur la chaîne de Seajet et voilà, donc elle est à vendre. N'hésitez pas à me contacter et on vous fera passer directement les coordonnées à Edouard pour la vente si ça vous intéresse. Et voilà, tout simplement. Allez, bonne journée. Thank you.